Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Un concept complètement fou pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi puisque je suis chez Karina, une amie chanteuse. Ça fait des années qu'on se connaît. Des années, t'exagères. On a chanté ensemble. Ouais. Il y a une autre personne importante au projet. C'est toi qui nous as mis d'ailleurs en relation. Et il s'agit de Franck ici présent. Quelle entrée en scène. Mais quelle entrée. C'est un métier. Hein. Dis donc, on n'a pas des t-shirts. Vous avez déjà les t-shirts. Oui. Je suis un peu jalouse. Je vais en faire un aussi parce que moi. Tu peux en acheter sur ma chaîne. Des t-shirts 507 heures. Si ouais, mais je vais en faire un à moi. Franck a une chaîne YouTube aussi qui donc s'appelle 507 heures. Une chaîne qui parle de musique avec de l'humour. Quel est ce projet un peu fou? Qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer une chanson ensemble. On a 48 heures pour le faire. Vous voulez pas plutôt qu'on fasse une reprise? Non, parce que moi, fabriquer une chanson, 48 heures... Mais toi, tu mets 3 ans à fabriquer une chanson. Ouais, c'est un peu ça. Oui, Karina sort un album tous les 18 ans. Ouais, mais ils sont bien. C'est l'album de la maturité. Donc, non, une reprise, ce serait bien, les gars. Une reprise, ok. Mais on lui fait pas de cadeau. Mais quoi? On va faire une balade. On va faire une balade, on choisit. On fait une balade. Une balade? Oui, on va se promener, on choisit ce qu'on fait comme reprise. Ah, pas on va faire une balade. Tu veux dire qu'on va faire une balade? J'ai attendu sur un flow, moi. Une promenade, on va se promener. Donc, on fabrique pas une chanson, on reprend une chanson et on lui casse la figure. On vous explique, quand on dit on casse la figure à une chanson, c'est qu'on la bastonne pas, c'est-à-dire que musicalement parlant, on va enlever tout, la musique, les arrangements, les accords. On reconstruit. On lui casse pas la figure vraiment? Non. On peut, on peut. Moi je propose qu'on parte sur Axel Bauer, je kiffe. Ah, c'est une idée. Ouais. Les Rita? Ah non, touche pas aux Rita. Ah, je sais. Couille de dauphin. Boule de flipper. Pardon. Sur une charbie. Et c'est comme une boule de flipper. Qui roule? Je crois que tu la connais. Ouais. Laurie. Laurie est une idée. Moi, je préfère rester toute seule. Céline Dion. Comment tu peux passer de Laurie à Céline Dion? Je sais même pas comment. Je sais pas quel tiroir tu ouvres, en fait. Manu Reva. Ah. Ça peut être pas mal, non? C'est bien, ça. Ah non, je chante fort, je kiffe. Et si on faisait un truc un peu tendancieux? Oui. Banana Split. Lyon. Tu veux chanter Banana Split? Ah bah là, il faut vraiment lui casser la gueule, du coup. Puis on fait un truc un peu électro, comme ça. Ouais. Ouais, très bien, moi ça me va. Moi je fais des basses, toi tu fais de la gratte. Mm-hmm. Puis toi, tu fais du café. Tu fais du café. Ok, café. Hey, salut, c'est Franck Cottier, je vais vous introduire les talons. Je pense que j'arrive plus à le dire. Karina, qui est une auteure-compositeur de talent. Compositrice, auteuse. Je sais pas comment. C'est une auteuse-compositeuse. En fait, c'est quelqu'un qui fait le même métier que moi, mais c'est une fille. Mais normalement, il faut pas dire. On a dit qu'on faisait pas de différence entre garçon et fille. Et donc, on commence à installer tout le matos. Non, vous installez le matos, moi je fais manger. Oh là là. Il y a quand même des trucs qui sont bien ancrés. Et on boit de l'eau, messieurs dames. Regarde là, le plan, il est terrible. Le mec, il dit qu'on boit de l'eau, sauf qu'en arrière-plan, regarde ce qu'il y a là-bas. Allez, santé. Allô pour santé. Ce premier verre sans alcool. Oui, c'est ça. On est parti sur une cover qu'on destroy, qu'on dénature complètement. Pour... Les mots exacts, on va lui casser la gueule. Et on s'est arrêté sur deux. Il y a un plan A, un plan B, clairement. Voilà, le plan A, c'était Manu Reva de Alain Chamfort. Ça se met en route quand on le mais dit. C'est mais c'est les maisons connectées, quand même, mais c'est dingue. Maisons connectées. Dis Siri. Ok, Google, passe à Alain Chamfort. Génial. Et le deuxième tube, c'est Lio Banana Split. Banana Split. Donc on va écouter les deux morceaux d'abord. Et puis bon, on va prendre notre décision. L'arpège là, ça faut l'enlever. Ah, c'est sûr. Et je pense qu'il faut enlever aussi le côté boum, boum, ouais, boum. Tout à fait. Ça signe trop. Ça signe trop l'époque, ça signe trop. C'est magnifique. Ça c'est beau. Je vais pleurer. Non, franchement, c'est en armo ça. C'est plus profond quand même que Banana Split. Je suis pas d'accord. Peut-être tu cette sais, phrase ne mérite pas d'être au montage. Non. Fais gaffe à ce que tu dis avec ma caméra. C'est plus profond quand même que Banana Split. Faut déjà savoir dans quel esprit on veut l'emmener. On pourrait se faire un truc à la Billie Eilish, non? Ah ouais. Tu vois, un truc hyper lent là, avec des basses dingue. Grave. Pour redécouvrir mes chansons, vous pouvez vous abonner à la chaîne et à la chanson. Bah oui. Merci Alain Chamfort. Je touche pas à ton clavier, hein. Il est pas très Covid. Voilà, petit clavier de Karina qui est très très propre, hein, dis donc, t'as bien travaillé. Mais au moins, moi je bosse pas, tu vois. Un poil de chat dessus. Enfin, je pense que c'est un poil de chat. J'espère. Ça commence bien, hein. T'as vu la banane, comment elle est, la banane à spitz.
Ah ouais. Au niveau symbole, on est pas mal. Pas mal, hein. Tu l'as, ta tenue? La tenue... Banana. Ouais. Ouais, je veux la même coupe des cheveux, Karina. On se voit possible, regarde-moi là. The Voice m'a contacté et que j'ai hésité à y aller. Et finalement, tu m'as appelé et tu n'y étais pas allé. Exactement. Mais j'avais commencé à bosser des morceaux. Je crois que j'avais bossé Mio. Mais pourquoi je ne trouve plus, enfin? Ben voilà. C'est tellement voilà. Dans donc ma carte SD de 64 Go, il n'y a plus de place dessus. Et si tu vas dans recherche sur Mac, Banana Split, marche pas. T'as déjà fait. T'as pas essayé. C'est la première chose que j'ai fait. D'accord. Donc il n'est pas dans l'ordi. J'ai la recette du banana cake. Ah. C'est des essais, hein. Ouais, c'est ça. Elle a fait ça hier soir. C'est toi qui avais donné l'idée du morceau en plus. Si tu cherches un truc pour... C'est Julien Doré, ça. Mais oui, il faut aller... Ah oui. C'est non, mais moi je ferais pas ça. Oui, non, mais j'aime beaucoup l'intro. Ouais, mais... Et là, on est trop dans le morceau original. Ouais. Je trouve que l'intro, elle est géniale. L'humeur et après, il faut continuer dans cette humeur-là. Mmh. Et sauf qu'au lieu de partir sur le quin, ben, on reste dans cette énergie avec. On tient tout le temps. Avec des petits instrus qui s'ajoutent sur le deuxième couplet. Hein. Banana Split en électro, moi, c'est, pour l'instant, c'est ce qui me plaît. Mais je pense que Banana Split, ça défonce tout. Puis là, on est trois, ça va pas pardonner. Au niveau du vote, c'est facile. J'ai pas encore parlé, mais moi, je compte double. Pourquoi? Bah, nombre d'abonnés. Ah bah, quintuple. Ah bah là, on peut prendre tous nos abonnés, tous les deux, les réunir et les multiplier par 5. Ouais. On est loin. D'accord. Sauf si on prend ceux de Instagram, je suis pas bon. Mais qui a décidé que non, c'était le nombre... un autre truc, nous, bah, voilà. Plus de trucs que lui. Ah mince. Qui décide que c'est le nombre d'abonnés qui fait qu'il a deux fois plus de votes? Lui. Bah oui. Mais c'est comme la politique. Moi, je change la règle. Je dis que celui qui a le plus de votes, c'est celui qui vit le plus en Touraine. Voilà. Ah bah non, et ça peut être, tiens, pour finir, ministre, celui qui a le plus de couilles. Ah bah c'est moi. Bah. J'aime bien le... Ah bah c'est moi, avec la voix, c'est... Donc on a voté, en gros. Bah j'ai un peu l'impression que Manureva... Est... Alors Manureva, maintenant, parlons-en. Manureva ou Lio? Lio. Il faut faire chier Manureva. Non, ah, franchement, j'aime... C'est non, sa voix, elle tombe double, ça fait 2-2. Ah. Non, j'aime bien les deux. Lio, il y a à faire. Et comme j'aime beaucoup l'idée de Manureva, de toute façon, ça n'en avait pas aujourd'hui, je la garde. Ah. Non. Il va nous sortir ça sur sa chaîne. Ouais, mais vous serez invité. Ah oui, okay. On dit quoi? Bah on dit à table. Non, ah, non. Apéro. Oh, apéro. Waouh. Mais je la reconnais pas. Moi je sais qui c'est. C'est John Baez. C'est marqué derrière. Elle a pas pu s'empêcher de le signer. Non mais regardez ça les amis. Moi je suis un peu inculte. Je connais de nom. Mais pas artistiquement cette personne. Oui je sais. Donc Oh là là. Ouais, tiens. Here's to you, Nicole and John. Ah c'est ça. Ah oui, je baise. Ah mais je connais par cœur ça. Mais voilà, mais alors je connais, mais je suis pas inculte, c'est juste que j'avais pas associé le nom à la chanson. J'ai eu encore mieux que ça. Je suis désolée, je voudrais pas faire mon inculte. Je connais pas John Baez. Qu'est-ce qu'il chante? John Baez, l'acteur porno. C'est pas lui. John Baez, j'ai vu tous ses films. Sur Canal. John Baez, ses morceaux. Il les a fait sur Cubez. J'ai fait une cote. Là, coton-tige. Coton-tige. Je l'avais pas. Ah non, non, je le ferai même. Vite, putain. Tabatage. Ah oui, Tabatage. John Baez, Tabatage. On est dedans. Putain, en fait, la vidéo, ça va être que ça. Hein. Ouais. Restez avec nous, les amis. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, là? 2 heures. En fait, il est majeur, le sol. Il est majeur. Je l'entends majeur. Non, il est mineur. Ah oui. Ouais. C'est quoi?
il est mineur, carrément. Après, c'est Fa. C'est Fa. Et après, il y a un accord de transition, c'est un Do. Et on revient sur le Sol mineur. Donc, la tactique qu'on a décidé d'adopter, c'est Karina, elle importe la vraie version de Banana Split. Et on va lui casser nous-mêmes la figure, c'est-à-dire on va la ralentir, on va la pitcher, comme on dit. Et là, vous vous dites, ça veut dire quoi pitcher? Et là, Franck Poitier va vous expliquer. Alors, pitcher, c'est des petits pains le matin qu'on a, du chocolat. Qu'est-ce que c'est bon, ces trucs-là. Je prends son morceau qui était à 155. Et tu le mets à 94 pour voir ce qui se passe. 94 pour voir ce qui se passe, exactement. Et en mi aussi. Et en mi. Là, il est moins 3. La peau, elle va chanter vraiment. Lio, si tu regardes cette vidéo, on s'excuse d'avance de ce qui va se passer. Et coller, attention. Tu sais, ça fait très mal. Ça donne des idées d'arrangement. C'est pas con, hein, comme méthode. Si tu cherches un nom pour briser la glace, banana, banana, banana. Eh, on avance, hein. Il faut poser au moins une basse. Grave. Ça, c'est clair. Alors, ah, tu prends une basse de synthé, alors. Ah ouais, mais tellement. C'est Moog, ça. J'aime beaucoup. Vous êtes sûr, on part pas sur Manu Reva. Tu sais, à minuit ce soir. Oh, puis non. Allez. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est là que j'aurais dû m'excuser auprès de Lio. Ah, bah là, elle peut nous attaquer pour plagiat. Hein. Ouais, là, on est tranquille, là. Et tu t'y connais en plagiat. On va aller brancher. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Allez. Non mais regardez-moi dans cet endroit où l'on va travailler. Si ça c'est pas bien. Bon bah écoute, Franck, j'adore cette caméra. Si tu ne retrouves pas cette caméra, c'est que je te l'ai piquée. Bon, petite caméra, j'aimerais vous présenter s'il vous plaît. Bon bah voilà, DJI, je te présente Canon. Canon, voici DJI. Je sens que c'est l'amour fou entre vous. Oh, elle kiffe. Ouais, je savais qu'elle kiffait. Tu l'aimes bien? Eh ben, elle t'aime bien aussi. Hein? Allez, faites-vous des bisous. Parce que vous avez le droit, il n'y a pas de Covid. Voilà. Oh, ça fait du bien. Que l'amour entre nous, hein? Bon, parfait. Allez, maintenant. Sinon, faut mettre des capotes. Hein. Si mineur. Sauf que comme je suis. C'est un instrument qui est transposé. Ah! Ah la merde! Après tu m'as dit mi mineur. Après moi c'est un la. Majeur. Ouais. Et après tu m'as dit si mineur. Ouais. Ah oui, complètement. Après, on peut mettre tous les temps. Peut-être que tous les temps. Je sais pas s'il faut deux tours. Ou alors, faut un gros cut là.
Là. Ouais, ici, là. Ouais, j'en mettrai un là. Ouais. C'est possible. Ouais, c'est continu. Et on a la batterie ou on fait la batterie? Je crois qu'on a la batterie. On a la batterie. Ça tombe bien pour quelqu'un qui fait de la cuisine. Ah, tu fais du blabla mais tu oublies quand il faut jouer. C'est clair. T'es prêt? Ouais. Je te repasse à ce passage là. Que tu as oublié de filmer. Donc, on a une première ébauche et qu'on a couplet, enfin, intro, couplet, refrain, pont. Attends, on n'a pas. Non. C'est du danois. Tu connais le danois? Non, non, mais là, il nous manque. La coda. Non, avant ça, il nous manque une partie, un petit pont musical. Ouais. On sort jouer sur d'autres accords pour sortir les morceaux et un dernier couplet. Il faut trouver un truc là, une petite partie harmonique. Qui sort un peu de ça. Ouais, grave. Et à savoir, puisqu'on était sur cette... Avec un petit coup de banana au milieu, là. Genre bien débile. On a le truc de la mort. Non, mais pas. S'il lui discerne que sert l'abominable vinaigre à l'abominable enfantine, j'ai un amour de dessert. S'il lui discerne que sert l'abominable vinaigre à l'abominable enfantine, j'ai un amour de dessert. Ouvrir des pistes audio. Donc on a une galère de casque, c'est ça? Putain, j'ai pensé à prendre le mien, je me suis dit, oh non, c'est bon, Karina, là. Non, mais... non ça c'est quoi? Ça c'est le out. Après, tu peux essayer dans le in, là, mais normalement, c'est pas là du tout. Insert, vraiment... insert 1 et 2. Et là, micro insert. Bah ouais. Hein? Mais comment ça marche? Pas d'entrée sélectionnée sur la. Toi tu fais. C'est ça? Moi je fais ça. Et moi je suis. Moi je fais ça. Ça ne déplairait pas que tu m'embrasses. Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Non, mais faut saisir ce jour avant qu'elle passe. Ah oui, putain. Ah, putain. Que tu m'embrasses. Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Ouais, je l'aurais mis là. Et tu cherches un truc pour briser la glace. Oula. On peut juste faire le glace de dessus. Briser la glace. Ah oui, d'être sur le dernier. Tu vois, sur le dernier, je sais pas. Il y a peut-être une combine à trouver. On reste à trois voix pour le pont? Non, moi je pense que tu commences. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantine et j'ai un amour de dessert. Par contre, je trouve qu'il monte pas assez du coup. J'aurais vraiment vu que même nos voix, même moi si je monte, que du coup vos voix montent aussi. Je peux faire la pédale. Oui. Grave, ça change du lit tierce quinte logique quoi. Ouais. Déjà j'avais placé le que sert un petit peu avant, est-ce que sur le deuxième on fait pareil? C'est le dessert que sert. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantine et j'ai un amour de dessert.
ça me déplairait pas. Vous êtes prêts? Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Si tu cherches un truc pour briser la glace. Oh putain, dis donc, merde! Purée! Jamais un chien. Foule-toi. Dehors. Pas là. Vilain. Pas gentil. Méchant. Gros chien. Banana. Banana. Allez. On enchaîne. Tu en voulais deux, mais on peut en mettre qu'un et qu'il soit en délai. Ah oui, en délai, ouais. Non, non, non. Après, il n'y a pas de fin, mais on peut en mettre fin. Hein. Ok, alors on y va. Refrain. C'est le dessert qui sème l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour du dessert. Bon, bah, suite du marathon, on est le lendemain matin et là, on arrive à l'étape du mixage. Qui bosse, quoi. Ouais. Ah. On m'avait dit 10h. Il est 10h07. Moi, j'y suis depuis 7 minutes. Hein. C'est beau. Ah non, non. 3. Ça, c'est un pro. Un vrai pro. À l'heure, au travail. Ah oui, d'accord. Ouais. Et on va faire quoi? Ouais. Agréablement surpris au réveil. C'est pas plus fort le délai, j'ai rien qui soit plus long pour qu'il... Ouais, que ça aille jusqu'à... Qui nous emmène un peu plus. Ça a été super bien. Cette reprise, elle bonne était bien. J'aurais préféré Manu Reva. Ça, c'est la conclusion. C'est un peu comme si on se filmait le matin avant d'y retourner, quoi. Ouais, j'ai... Ça, c'est sacrément chromatique. Ouais. Uh-huh. J'ai une petite pensée d'ailleurs pour le musicien qui s'est fait chier à faire ça. Ouais. Il a dû le refaire 40 fois, chaque fois c'est... Ah non, oh, j'ai raté l'avant-dernière. Voilà. Voilà, c'est un moment de vie. Une parenthèse. Une parenthèse, voilà. Que des fois, on peut faire des trucs dans ce métier sans qu'il y ait... Ni d'enjeu. Pas d'enjeu. Ah bah attendez, il y a un enjeu de ouf là. Moi j'en vois ça à la production de Lio. Ah ouais. C'est peut-être pas une bonne idée. Juste pas du plaisir de faire de la musique ensemble. Du kiff. Mmh. Du partage, quoi. Les mots, ouais. On se fait un dictionnaire des synonymes. Ah ouais. Non. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mmh. T'as vu le chat, il montre le mur. Non, c'était chouette de vous avoir à la maison. Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on dort bien chez toi? Ouais, t'as vu ça? Ouais. Rien à voir avec le rhum ou... Quel rhum? Le grille-pain, au-dessus du grille-pain. Je crois que c'est pas pensé, mais inconsciemment, c'est fait exprès. Ah, je sais ce qu'on pourrait faire là maintenant, plutôt que de raconter n'importe quoi que c'est filmé. Pardon? C'est n'importe quoi ce que je raconte? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Bah, on pourrait peut-être parler un petit peu de Banana Split. C'est sorti en 79, exactement. Non. Le premier album de Lio. Donc Lio, comment elle s'appelle? Ah, mais oui. Lio, je le savais. À toi de dire son nom. Tu vas rigoler. Oh là là, ah oui, Vanda, oui, bien sûr. Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares, de Vasconcello. Voilà. D'accord. Ouais, bon, bah, Lio, quoi. Mais qui a écrit ça? Ça a été composé par Jay Alansky et Jacques Duval. Jacques Duval est très feignant.
tu le savais? Il dort tout le temps, le dormeur Duval, on l'appelle. Celle-là, on pourra pas... Et du coup, il est Duval-de-Loire. Donc Jacques Duval, c'est lui l'auteur, l'auteur du Banana Split. Ah oui? Ouais. Ah, c'est lui l'auteur. C'est lui qui a écrit. Ouais, il a écrit Banana Split, il a écrit pour Chamfort, il a écrit pour Marie-France, Charline Rose, Jeanne Birkin, Runaways, Dany... Elle joue sur un double sens, vous aviez pas vu ça, hein? Ah bon? Ouais, pas du tout. Ouais. Et un double niveau de lecture. Ah ouais? Sous couvert d'une évocation apparemment innocente du dessert de Banana Split, sous couvert par une jeune fille, Lio, qui avait 16 ans à l'époque. Un contenu sexuel peut être aussi saisi de manière implicite. Peut être saisi. La fin de la chanson peut évoquer une fellation. Ouh. Pas le début. Non, pas le début. Que la fin. Mm. Merci pour ce café, cette pause détente. Ah oh là, oh. Oh, oh. Oh. Allez, go. Pourquoi je n'ai pas? T'es prêt? Ouais. Allez. Ce que j'ai fait dans le pont, c'est pas bien. Je pense que je peux trouver des trucs qui tiraillent un peu, des trucs avec des notes. Bah moi, c'est là que j'aurais bien mis un son un peu de l'espace. Ah bah voilà, parfait. Un son un peu téréminien. Ouais, ouais. Bon, alors on est à peu près content, mais il nous manque un térémine. Hein. Le térémine est un instrument où on joue avec les ondes. Mmh. Donc on joue dans le vide. Mais ça, je sais pas en faire. Par contre, l'ordinateur, et surtout le logic, a fait quelques... Comment on appelle ça? Des instruments virtuels. Voilà. Voilà. Ou entre autres, on peut retrouver un truc qui s'approche du térémine. On est loin parce que le térémine a vraiment un son particulier. Non, Karina, c'est notre chercheuse de son, ouais. Là, vous êtes en train de vous demander ce qu'elle fait à taper pour juste sur une note. Et en fait, elle est plus en train de chercher le son, quoi. Ouais. Parce que si tu cherches le mi, moi, je sais où il est. Si tu cherches le sol, moi, je sais où il est. Ah, c'est au lit. Tu vas bien voir, Franck. Ah oui, et effectivement. C'est quoi qu'on veut? 507 heures. Ah ouais. Tu peux faire. Tu peux pas repasser par lui avant? Ah si, si. Tu te rends compte qu'avec ta voix, t'as exactement le même son? Avec ton sifflement? Bah oui, mais j'imite très bien le... La térébenthine. La fini. Ouais. C'est ouf, hein? C'est bizarre. Ça y est. On a même fini en avance. On a fait ça en, allez, 26 heures. On a fini la musique, en tout cas. Là, on fait quelques petites vidéos pour qu'on puisse vous montrer des choses jolies. Mais musicalement, ça a l'air d'être terminé quand même. Ton prénom à toi, c'est Franck? Oui, c'est Franck, ouais. Parce que moi, c'est Franck aussi. Mais nous, c'est Franck. Toi, c'est Franck aussi? Oui. C'est bizarre. Non, Franck Coty. Et lui, c'est Franck aussi. Il était temps que ça s'arrête. On est bon, fatigué là. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne 507 heures. Et Karina, vous pouvez bien sûr retrouver sur sa chaîne également, avec tout ton univers. T'as une phrase de fin pour ta chaîne? Non, j'ai pas de phrase de fétiche. Moi non plus.